Super Yellow, Super Yellow. La semaine prochaine à Carhaix, il y a non seulement le festival des vieilles charrues, mais aussi le festival Bagadance. Chaque année, plus de 1500 participants en danse et musique bretonne. C'est tous les 14 juillet. Petit avant-goût en avant-première. Bonjour! Salut Super Yellow, bienvenue au Bagad de Carhaix. Au Bagad de Carhaix, qu'est-ce que c'est un Bagad? Alors le Bagad, c'est un ensemble traditionnel de musique bretonne. Et donc à Carhaix, on est le premier Bagad à avoir été créé en Bretagne en 1946. Il a été créé par qui? Donc par les cheminots qui se regroupaient dans les hangars et les wagons pour jouer tous ensemble. On a de la bombarde, donc là on a les biniots, un pupitre de cornemuse et au fond un pupitre de casse claire et un ensemble de percussions. Alors il n'y a pas que le bagad ici à Carhaix. Non, Super Yellow, il y a aussi la danse avec le cercle celtique de Carhaix, donc qui a été créé en 1947. Et vous vous produisez où? Alors dans différents festivals de Bretagne, comme les fêtes de Cornouailles à Quimper, le festival interceltique à Lorient et les filets bleus à Concarneau. Alors qu'est-ce que vous me faites danser aujourd'hui? Alors là, on danse la gavotte du Poher, qui est la danse de la région de Carhaix. Quel conseil? Il suffit de savoir compter jusqu'à 8. Ah ça, je sais. Bon, bah allons-y alors. 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7, 8. Et pour le Tour de France, hip 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 ! Ouais ! Et maintenant, une question posée par le président du Bagad de Carhaix. Alors le Bagad de Carhaix est invité cette année dans le cadre du Festival des Vieilles Charrues. Nous serons sur scène avec le DJ Zebra. Et la question est, quel est l'anniversaire que les Vieilles Charrues fêtent cette année? Alors les Vieilles Charrues, est-ce qu'ils fêtent leur 10e anniversaire, leur 20e ou leur 30e, Tomer? Réponse. Bien, je dirais que c'est les 20 ans des Vieilles Charrues. Les 20 ans, vérification. Et la réponse était... La 20e édition. C'est bien ça, la 20e édition des Vieilles Charrues. Puis ce qui est bien, c'est qu'ils n'ont pas soufflé, hein, du tout. Non, absolument pas.